C'est l'heure des Pingouindous. C'est parti pour un face à face. Allez, attendez. En fait, on vous a même pas expliqué les règles. C'est des ragondins, ces présentateurs. Ah zut, c'est moi. Peut-être pas que je m'insulte, en fait. Alors, le principe est simple. Encore une fois. Je vais poser une question de 12 secondes. Durant ces 12 secondes, ils pourront répondre chacun alternativement. Plus ils répondent vite, plus il y aura de points. Une fois sur deux, c'est Bouc qui commence. Et l'autre fois sur deux, c'est Maman Cochon qui commence. S'ils répondent dans les 3 premières secondes, ils marquent 5 points. S'ils mettent 4 à 6 secondes à buzzer, ils gagnent 3 points. S'ils mettent 7 à 9 secondes pour buzzer, ils marquent 2 points. Enfin, s'ils mettent entre 9 et 12 secondes, eh bien, ils marquent 1 point. Ils ne prennent aucun point si personne ne trouve la réponse. Le premier arrivé à 12 points en plus a gagné cette manche. Et il est donc qualifié pour la supra-finale. Supra-finale! C'est l'heure des Pingouindous. C'est un monticule. En France, on le trouve principalement dans le Massif central. Je pense que c'est un volcan. Et c'est la bonne réponse. Et c'est 5 points pour Maman Cochon. Maman Cochon qui est très bien parti. Troisième question. Histoire. Oh yeah, c'est mon domaine, histoire. Né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, je fus un célèbre compositeur de musique classique. Autrichien, j'ai cependant voyagé dans toute l'Europe pour jouer durant les plus grandes cours. Je la connais, ta question. J'ai déjà vu dans Question pour un doudou. Mais bon, bref. Ah zut, faudrait peut-être pas le dire. Moi, je pense que c'est Zarmo. Mais non, c'est pas Zarmo. Voilà, c'est nul. J'ai cependant joué dans toute l'Europe pour... Mais non, c'est Mozart. Né en 1983, j'ai grandi dans la RDN, République des Doudous du Nord. Une fois adulte, je suis devenue une célèbre star de cinéma. J'ai notamment joué dans Le Vol de Nuit, pour lequel j'ai eu un os artistique doré. Je suis un célèbre présentateur des Parodous. Je suis... Je le sais. Moi, je pense que c'est toi. Et ouais, c'est moi, petit cheval. Oh yeah. Tu vois, 7 points. Tantôt calme, tantôt agité, mon niveau dépend de la... De la lune, composée d'un... Alors, c'est... La mer! Je suis... Je sais, c'est Yves Fort dans One Connect Animal. Bravo, tu as 5 points. En seulement 2 questions, il peut me rattraper. Là. Je suis... Oh! Voilà, je suis orange. Je suis sûre que c'est une orange. Il est trop fort. 10 points. Oh non, il m'est déjà passé devant. Né le 11 novembre... Attends, je me suis trompée dans la question. Oh là là. Né le 12 novembre 2023, je suis composée d'une mère et de son fils avec leur doudou préféré. Je pense que c'est Vikelox. Serré, je suis stressée. Le stress absolu. Je pense que la prochaine question sera la question des sifs. Point, point, point. La suite dans le prochain épisode. Elle a dit la suite au prochain épisode. Mais c'est totalement faux. En vrai, le prochain épisode, eh bien, ce sera avec une autre équipe. Donc non, là, la suite, eh bien, elle est tout de suite. C'est l'heure des Pingouindous. Je suis née le 15 mai 2018. Je suis une vraie excitée, hyperactive et un peu capricieuse, issue d'un croisement. Chien de chasse, berger et molos, je suis... Cardamel. Et c'est la bonne réponse. Un point pour vous. Oh là là, c'est beaucoup trop fou. La prochaine question sera la décisive. 11 points à 11. Qui va gagner? J'espère que c'est moi. J'espère que c'est moi. Moi, je vais être riche et gagner. Tirez, petit pro.
vont gagner 10 000. Ce sera moi, parce que moi, je suis plus sympa que toi. Et c'est qui a le meilleur score à l'étape 1? C'est qui a le meilleur score à l'étape 2? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? C'est moi! Oups. Je me lève le matin, j'enfile mon sac à dos et je mange un steak. Je lave les toilettes et je regarde par la fenêtre. Et 9h30, bien sûr, je suis. Du nawak! Bravo! Et c'est maman cochon qui gagne! Avec, sur ce joli mot, du nawak! Wow. C'est l'heure des pangourdous! Et c'est fini pour ce groupe-là de questions pour un doudou. Et voilà. Book, es-tu content d'être deuxième? Non, je suis pas franchement très content. J'aurais préféré gagner plus de 1 million de petits euros. Mais en fait, j'en gagne 1000. Enfin, c'est déjà pas mal, dit. Il a un mois de travail avec ça. C'est vrai. Au final, toi aussi, t'es arrivé? Ouais. C'est joli, hein, d'ici, on voit bien, hein? Oh yeah. Alors, Maman Cochon, c'était bien? Oh ouais! En plus, maintenant, je me suis assurée de gagner plus de 10 000 petits euros! C'est extra! Personne ne dit ça maintenant. Ouais, mais c'est quand même extra! Maintenant, tu peux rejoindre les gradins des rois. Oh yeah. Et voilà, c'est ça les gradins des rois, regardez en dessous. Coucou. Coucou les potes. Allez, salut. Voilà. Et ben, mais en vrai, maman cochon, et ben il descend en bas souvent. Regardez. Wahou. Eh, vas-y. Viens. Eh, je t'ai pas fait mal, petit cheval? Non, non, t'inquiète. Alors, eh bien, bienvenue dans ce second groupe! Voilà, c'est l'heure des parodous! C'est l'heure des parodous! Viens, allons parler aux quatre autres concurrents. Vous en avez déjà vu quatre, nous allons voir quatre autres, mais il y en a encore 8 qui sont dans les coulisses. Mais, Book! Je vais te mettre du caca dans les yeux, comme ça ce sera plus simple! Je pense. Je vais te mettre du caca dans les yeux.